Nous souhaitons ici calculer cette dérivée et nous voyons de suite la dérivée d'un produit. Donc, nous allons appliquer cette formule-là. Attention, la dérivée d'un produit, ce n'est pas le produit des dérivés. En fait, f fois g prime, c'est f prime fois g plus f fois g prime. Formule que nous allons appliquer ici. Le f, c'est le 5x cube, et le g, c'est 2x plus 3. Donc, f fois g prime, ça donne f prime fois g plus f fois g prime. Maintenant, il faut encore calculer ces deux dérivées-là. La dérivée de 5x au cube est bien sûr 15x au carré, et la dérivée de 2x plus 3, c'est 2, comme ceci. Dès qu'il n'y a plus de prime dans le calcul, on essaye de factoriser. Nous voyons que le premier ainsi que le deuxième terme contiennent le facteur 5x au carré. Donc, nous pouvons le mettre en évidence, et entre parenthèses, il reste 15 divisé par 5, ça fait 3, fois cette parenthèse-là, 2x plus 3, ensuite plus. Ici, un 5x carré est dehors, donc il reste 1x dedans, multiplié par 2, ça donne 2x. Là, nous avons 6x plus 9 plus 2x, c'est-à-dire 8x plus 9. Et voilà, terminé.